1919, l'après-guerre. Un monde nouveau, un monde qui bouge. André Citroën y lance sa première voiture, la Torpedo type A. Légère, simple, robuste, c'est aussi la première automobile française produite en grande série et livrée complète. Quatre places, mais trois portes seulement. L'emplacement de la quatrième est occupé par la roue de secours. Moteur 4 cylindres, 18 chevaux, vitesse maxi 65 km/h, consommation 7,5 litres au 100. En 1921 apparaît la B2, version améliorée de la type A. Un peu plus puissante, un peu plus rapide, elle existe en plusieurs carrosseries, dont celle-ci, la préférée du corps médical, pour cela dénommée coupé docteur. Dotée d'une santé à toute épreuve, elle n'est jamais fatiguée. C'est une trois places. Un siège à l'avant, un à l'arrière et un petit strapontin amovible à côté du conducteur. Tout autre est la version sportive de la B2, la Caddy. Son arrière pointu comporte un speeder qui peut, en cas de besoin, servir pour un passager supplémentaire. Sa mécanique spéciale, sa légèreté, 850 kg seulement, lui permettent d'atteindre 90 km/h. De 1922 à 1925, le succès de la 5 chevaux C3 fut considérable. Première voiture populaire européenne, la petite Citroën fut aussi la première voiture de femme. Économe, maniable, facile à vivre, de la personnalité et du tempérament. Infatigable et sympathique, elle traîne à 60 à l'heure tous les cœurs après elle. Aujourd'hui encore, son châssis n'a rien perdu de son charme, ni sa carrosserie de son éclat. En octobre 1925, les 20 chevaux de la B12 sont la plus noble conquête de Citroën. Une nouvelle technique de carrosserie entièrement métallique, emboutie à froid et assemblée par soudure électrique, est le secret de ce nouveau modèle de l'écurie du quai de Javel, la Tout Acier. La B12 Tout Acier est de bonne race. Grâce à elle, la cote de Citroën va encore monter. En octobre 1926, s'allument les feux arrière de l'increvable B14, première voiture de grande série à être équipée d'origine de servo-frein. Ils éclairent des stops à l'arrière et sont commandés par une pédale centrale et non plus à droite. De nombreuses versions de carrosserie voient le jour, notamment des cabriolets comme celui-ci. En 1929, Citroën présente sa première conduite intérieure commerciale. 500 kg de charge utile sur un châssis de C4. La C4 est une B14 évoluée. Châssis, moteur, transmission, frein et direction entièrement redessinés.
L'allumage ne se fait plus par magnéto, mais par rupteur et bobine. Une époque nouvelle commence. La charrette laisse la place à l'automobile. Le percheron s'efface devant le cheval vapeur. En 1928, apparaît la première Citroën à 6 cylindres, la C6. Avec elle, la grande série devient luxueuse. La C6 dépasse le 100 à l'heure et dans le confort. Plus grande habitabilité et finition améliorée. Lanterne d'auvent, robuste pare-choc à section carrée, vaste mâle coquille et bientôt pneu Michelin super confort. La C6 est le salon roulant des familles nombreuses. Une marche douce et silencieuse comme le glissement du cygne sur l'eau. Tels étaient les termes employés pour décrire le fameux moteur flottant. Le moteur suspendu oscille autour de son centre de gravité, ce qui neutralise les vibrations et procure une grande douceur de conduite. C'est une nouvelle révolution technique Citroën dont bénéficie la 8 chevaux Rosalie en 1932. Courte escale dans le monde de l'enfance avec la Citroënette à moteur électrique. Elle frôle les 10 km/h. Déjà, nous sommes en 1934, l'année de la révolution de la traction avant. Au printemps 1934, la première traction entre dans l'histoire. C'est la berline 7A. C'est une anthologie d'innovation. Depuis le levier de vitesse au tableau de bord jusqu'à sa carrosserie monocoque surbaissée, sans châssis, et sa ligne aérodynamique qui supprime les marchepieds traditionnels. Une suspension nouvelle par barre de torsion la dote d'une tenue de route qui va devenir légendaire. Le moteur est nouveau lui aussi. 4 cylindres en ligne, à culbuteur, chemise humide amovible et soupape en tête. D'abord de 1300 puis de 1911 cm3 au moment où apparaît le cabriolet. La révolution de la traction, c'est avant tout sa transmission. Désormais, toutes les Citroën auront leur roue avant directrice et motrice à la fois. Les autres constructeurs viendront eux aussi à cette solution, mais certains mettront 40 ans, alors que dès le printemps 1934, se nouait l'alliance durable de Citroën et de la traction avant. Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'automobiles. Thank you.
Dès qu'il eut lancé sa première voiture en 1919, Citroën pensa à en tirer des versions utilitaires. Sur la Type A d'abord, puis sur la B2, comme cette Normande qui apparut fin 1922. Elle était caractérisée par sa caisse en bois naturel verni et son toit en toile découvrable, ainsi que par l'élégance et la finesse de ses ailes avant. Cylindré, moteur porté à 1452 cm3. Radiateur plus haut que celui de la Type A. Roue de secours à gauche. Capot moins plongeant que le modèle A. Porte abattante sur toute la largeur de l'arrière. Charge utile 450 kg. À une ou deux pommes près. Ce château est un fameux gaillard, mais la voiture n'est pas moins solide. C'est la B10 de 1925, la première voiture tout acier. Sans peur et sans reproche. C'est une conduite intérieure à 6 glaces. Sa carrosserie entièrement métallique, faite d'éléments emboutis et soudés, présente une grande résistance au choc et protège ses occupants comme le ferait une armure. C'est la première Citroën à ne pas avoir de bouchon de réservoir d'essence sur l'auvent. L'intérieur est spacieux et agréable, bien aménagé. Le poignet de maintien à l'arrière, c'est qu'on peut atteindre 70 km à l'heure. Par les vitres, on peut voir ou ne pas être vu. Voiture de maître, voiture de luxe, c'est la C6F, la 14 chevaux 6 cylindres du salon 1929. Le coupé de ville s'en va au champ. Notez les fentes d'aération sur toute la longueur du capot, la grande lunette arrière et l'accessibilité de la roue de secours. Une lanterne d'aristocrate. Beauté des harmonies symétriques, de l'équilibre de lignes rigoureuses, du raffinement jusque dans le moindre détail. La grande classe et juste une touche de modernisme. Les autochenilles font partie de la grande aventure de Citroën, qu'elles rendirent célèbres dans le monde entier. Dès 1921, des types A et des B2 furent équipés de chenilles pour la neige. Mais ce furent les autochenilles de la croisière noire, puis les C4F, ou comme ici les C6F de la croisière jaune, en 1931, qui accédèrent à la gloire. Inventée par Kegress,
ancien chef des garages du Tsar, pour la chasse aux loups dans les steppes glacées, les chenilles permirent aux automobiles Citroën de traverser des continents entiers, des déserts comme le Gobi et des montagnes comme l'Himalaya. Et voici la C4, le grand succès des années 30. Ici, dans sa version roadster à capote repliable. Un modèle élégant et coquet, mais aussi pratique et sportif. Pour le golf, par exemple. Celui-ci, c'est le modèle C4G, équipé grand luxe. Speeder à l'arrière, porte-bagages repliable, pare-brise mobile, phare puissant, et surtout, à partir du printemps 1932, le fameux moteur flottant, souple, silencieux, sans une vibration. Est-ce le fantomas des autos? Non, c'est mieux que cela. Vous allez voir. Elle n'a qu'un œil, enfin qu'un phare, et seulement une manivelle pour la mettre en route. Vous l'avez reconnu, c'est la deux chevaux. Plutôt l'ancêtre de la deux chevaux, le prototype prêt pour le salon 1939. Suspension par brin indépendant en magnésium, essuie-glace monobalai à parcours ellipsoïdal, pas de poignée extérieure aux portes. Il faut faire simple mais pratique. On doit pouvoir y pénétrer coiffé de son chapeau. Pratique et confortable. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs à travers champs sans les casser. Elle peut le faire. Elle l'a fait. Partie comme elle est, elle va durer 50 ans et elle fera des petits. Qu'est-ce que vous croyez? Citroën sait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.